Vraiment, prenez tout ce qu'il y a à prendre et construisez-vous par rapport à ça. Construisez votre philosophie par rapport à ces choses-là. La seule chose que l'on a tous en commun ici, pas forcément l'expérience, chacun a la sienne, mais c'est le fait qu'on soit tous des éducateurs. Et ça, c'est la base. Ça, c'est la base. Même si on est avec des professionnels, ben, il y a toujours des petites choses à apporter, il y a toujours des choses... On doit être des gens bienveillants. Quand on est un entraîneur, on est des gens bienveillants. Donc, je vous demanderais, la seule chose que je vous demanderais en échange, c'est que vous le soyez avec les gens avec qui vous travaillez. Donnez-leur de la passion, donnez-leur de la patience, donnez-leur tout ce que vous avez à leur donner. Et je peux vous assurer que, comme moi je suis aujourd'hui, apaisé, bien, en ayant l'impression d'avoir fait son travail, pas forcément pour former des joueurs, mais pour former des hommes. C'est le plus important. Dans le sport collectif, on a des valeurs. Eh bien, soyez les garants.